vous allez bien? Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé parce que j'étais partie en vacances et que j'avais pré-filmé des vidéos. Et du coup, bah là, ça fait trop bizarre de retrouver sa petite caméra, de parler seule à sa caméra. Voilà, j'espère que cette vidéo sera quand même naturelle, spontanée, comme je vous l'ai fait habituellement. Mais je vous avoue que ça fait toujours un truc quand on fait un petit arrêt comme ça et qu'on reprend. Il faut un petit temps d'adaptation, on va dire. Pour ceux qui ont eu la chance d'en avoir, j'espère que vous avez passé de super vacances, que vous soyez partie ou non, que ça vous a fait du bien, que vous êtes ressourcée. Moi, je reviens en pleine forme, ça y est, septembre arrivera grand pas et j'ai des projets plein la tête. Donc j'espère que vous serez toujours là pour continuer à me soutenir, à me motiver. C'est vous hein, qui me motivez à faire ces vidéos. Moi, j'essaye de vous transmettre en vidéo de la motivation, de l'organisation, du lifestyle, etc., des recettes. Mais c'est vous ma source de motivation. Si vous n'êtes toujours pas abonné à cette chaîne, n'hésitez pas, je poste tous les dimanches. Et c'est vrai qu'on est de plus en plus nombreux sur la chaîne et c'est... ça booste à fond, franchement ça fait trop plaisir. N'hésitez pas à continuer à partager, à me mettre des petits commentaires qui me font toujours plaisir. J'essaye de répondre à tout le monde au maximum. Donc un petit message pour vous dire un grand merci. Bref, je suis rentrée de vacances il y a déjà quelques jours, donc j'ai déjà fait 2-3 trucs que je n'ai pas filmé, mais par exemple là on est dans ma chambre. Là je suis bien cadrée et tout ça, mais si vous voyez autour de moi, c'est le Bronx. Clairement c'est le bordel de partout dans ma chambre, c'est insupportable. En plus je reprends le boulot dans quelques jours, donc il faut vraiment que ma chambre elle soit nickel, impeccable. J'ai tout donné au niveau du bas de ma maison, c'est propre, c'est rangé, c'est machin. Par contre faut pas monter à l'étage parce que là ça ressemble plus à rien. Et vraiment mon bureau, je regarde derrière parce qu'il y a mon bureau, c'est une catastrophe. Derrière moi là-bas, il y a tous mes sacs de voyage que j'ai pas encore nettoyés, aspirés. Donc j'ai rangé toutes mes affaires, j'ai fait mes courses, tout ça, tranquillou. Mais j'ai quand même pas mal de petites choses à faire avant la rentrée et avant ma reprise. Et on va aussi faire la petite vidéo, la petite partie back to school où on va faire ensemble les sacs des enfants, les fournitures et tout ça. Donc on va s'y mettre aujourd'hui ensemble. J'espère que cette petite vidéo vous plaira et bah c'est parti. On perd pas de temps, on s'y colle. Je commence par mettre une machine de draps. En fait, j'avais pas changé les draps de leur lit et de notre lit quand on est parti en vacances, parce que pendant 15 jours, je me suis dit que la poussière elle allait s'accumuler et tout ça, donc ça servait à rien de mettre des draps propres. J'ai laissé les anciens draps et dès qu'on est rentré, eh ben, j'ai fait l'échange directement. Une fois la machine lancée, je suis retournée dans ma chambre pour commencer par celle-là parce que vraiment j'en pouvais plus. Donc j'ai nettoyé tout ce qui était valise, sac de voyage, tout ça, j'ai aspiré et vous voyez j'ai retrouvé du sable noir que mon chéri a pris sur la belle plage de Nonza. Je vous laisse avec les petites images. J'espère que ce beau paysage de Corse vous aura plu. J'ai filmé pas mal de petites capsules. Je sais pas si je vais pas préparer un vlog pour vous partager un petit peu nos vacances. Faut que je vois ce que ça donne. Mais il y aura peut-être une vidéo bonus d'ici peu avec des petits moments de vie de nos vacances. Quand j'ai terminé de nettoyer l'extérieur des valises, je passe aux roues. En fait, je finis par les roues parce que c'est vraiment là où c'est le plus sale, mais je vous conseille vivement de le faire. À la fin, ma chiffonnette, elle était
toute noire, franchement c'était dégueu. Même si là ça a pas roulé dans un aéroport, tout ça, c'est vraiment nécessaire de le faire parce que ça accumule vraiment beaucoup de cochonneries. Surtout que moi perso, bien souvent quand je fais mes valises, je les pose sur le lit. Donc il faut vraiment que quand je rentre de voyage, je les clean à fond quoi. What we're doing is bad. There's so many emotions. Sharing stories that we never had. The end is real. I think we're searching for reasons not to be like this. J'utilise aussi beaucoup les sacs Kipsta, donc qu'on trouve chez Decathlon dans le rayon foot. Il y a une large gamme. Alors moi j'ai le 20 litres et c'est la taille parfaite pour quand vous preniez l'avion et que vous avez le droit à un bagage en cabine. Ceux de la gamme Kipsta sont tous pliables. De ce fait, vous pouvez les ranger super facilement. Ils prennent vraiment pas de place et il y en a des petits, des moyens, des grands. Il y a vraiment toutes les tailles. Et ce sac à dos aussi qui vient de chez Decathlon, qui est isotherme, c'est aussi un indispensable de nos vacances, même de toutes nos sorties d'ailleurs. Une fois que tout est nettoyé et propre, je peux enfin les monter dans la mezzanine pour pouvoir les ranger et dégager enfin une partie de ma chambre. Ma machine a terminé de tourner et aujourd'hui il fait beau, donc je vais pouvoir l'étendre dans le jardin. Et cet été, j'ai reçu de la marque Lay Fate un séchoir parapluie de 50 mètres. Je vais vous mettre la référence en barre d'infos, franchement il est génial. En fait, le problème, c'est que j'ai déjà essayé de tendre un fil au fond de mon jardin sur les murs, mais qui n'a pas tenu. Donc, j'avais un peu lâché l'affaire pour étendre dans le jardin, et à chaque fois, je sortais mon séchoir Ikea que j'utilise dans la maison, et c'était vraiment pas pratique, et je le mettais sur la terrasse. Avec ce séchoir, donc c'est le Linolift 500 de chez Leffet, il est hyper grand, il fait 50 mètres, et on a la possibilité de pouvoir étendre jusqu'à 5 lessives dessus. Et il y a aussi inclus 12 supports pour pouvoir mettre jusqu'à 12 cintres dessus, donc ça c'est top. Moi perso, tout ce qui est chemise, robe, tout ça, j'aime bien étendre sur des cintres pour éviter tous les mauvais plis. Et aussi le gros point positif, c'est qu'il est réglable au niveau de la hauteur. Vous pouvez également le tourner pour éviter de marcher, de faire des pas inutilement quand vous étendez le linge. Vous avez juste à le tourner. Et là vous voyez, j'ai mis du coup ma lessive avec mes draps et j'avais encore plein de place pour pouvoir étendre plein de choses. Donc là ça va me changer la vie parce que moi les draps c'était systématiquement au sèche-linge vu que j'avais pas la place de les étendre. Donc là je suis vraiment trop contente. Je repasse dans ma chambre pour faire un peu de tri, de rangement, de nettoyage. Il y en avait vraiment besoin, franchement il y en avait partout, surtout mes livres. Regardez là tous les livres que je stocke sur ma commode. Donc j'ai vraiment gardé ce que je lis en même temps parce que moi je suis la pro pour commencer plein de livres à la fois. Donc j'ai des magazines, des bouquins, j'ai des marque-pages partout dans les livres. Donc ceux-là je me les suis mis sur mon chevet et je me suis dit ceux-là il faut vraiment que je les lise en priorité et un par un de préférence. Et les autres je les ai rangés directement dans la bibliothèque.
Donc voilà, je les mets dans la bibliothèque, dans mon couloir, et la bibliothèque qui commence à être bien bien remplie franchement, et j'ai 3 tonnes de livres à lire dedans. Après, il y a aussi beaucoup de bouquins à mon chéri parce qu'il lit énormément, mais maintenant il s'est acheté une liseuse. Comme ça évite vraiment de stocker au max. Ensuite, je passe du côté de mon bureau où là, c'est pas mieux, hein, comme vous pouvez constater. J'avais du linge qui traînait, pareil, mon chéri a fait son armoire avant de partir en vacances. Donc, il y a un sac que je vais donner aux membres de ma famille et il y a un sac de choses que je vais mettre dans une boîte relais directement. Ça fait hyper longtemps que je stocke sur le bureau le puzzle que mon chéri avait eu à la fête des pères. En fait, il m'a dit de le ranger directement parce que c'est vraiment pas pratique à faire à cet endroit-là. En fait, il existe des tapis où on peut rouler les puzzles pour quand on fait une pause, les ranger directement. Je pense que je vais en acheter un. Comme ça, il pourra recommencer voilà, à le faire par exemple sur la table du salon, tout ça. Et après, hop, il a juste à rouler le truc et on peut le ranger. Ça prend beaucoup moins de place. Et un bureau rangé jusqu'à quand, je ne sais pas, mais en tout cas ça fait trop du bien. Ensuite je suis venue passer un petit coup sur le bureau, un petit coup d'aspi dans la chambre et c'était good. J'avais pas pris le temps non plus de ranger tout ce qui était affaire de plage, donc je me suis pris un grand bac comme ça que j'avais à la maison qui traînait et j'ai décidé de les mettre dedans directement. Parce qu'en fait de base ils sont rangés dans un sac dans mon garage. Sauf qu'en fait dans un sac ça prend les toiles d'araignée et tout ça et à chaque fois d'une année sur l'autre j'ose même plus mettre ma main à l'intérieur parce que je sais pas sur quoi je vais tomber. Donc là je me suis dit je vais mettre un bac fermé, je vais ranger soit dans le cabanon, soit dans mon garage et en espérant qu'il n'y ait pas de petites bébêtes et de toiles d'araignée l'année prochaine. Et ces masques aussi qui viennent de chez Decathlon, promis, ma vidéo n'est pas sponsorisée par Decathlon, ils sont top. Mais alors ça, pour partir en Corse, vraiment, ou dans les pays, on va dire, ou les endroits où la mer est bleue et transparente et où il y a des petits poissons, pour les enfants, même pour nous les adultes, hein, c'est génial. C'est vraiment un indispensable, vous voyez trop bien à l'intérieur, vous pouvez respirer, c'est vraiment top de chez top. Je viens récupérer les draps qui ont eu le temps de sécher pendant que j'étais en train de faire ma chambre. Et une fois que je détends, je plie directement sur place. Ça me permet de gagner du temps pour l'après parce que dès qu'on remplit le bac comme ça, à l'arrache, on le pose d'un côté et on se dit qu'on pliera plus tard. Alors déjà, ça fait des plis généralement, hein, c'est pas tip top parce qu'après vous trouvez votre linge froissé. Et ensuite, bah, ça permet de... Voilà, c'est une action qui prend pas beaucoup de temps et au moins la panière est pliée, après il n'y a plus qu'à la ranger. Et je vous fais la démonstration pour vous montrer que le séchoir se plie super facilement. Vous avez juste à baisser un petit peu au niveau de la hauteur pour pouvoir après mettre facilement la housse de protection. On le plie sur lui-même et ensuite, hop, petite housse de protection. Et soit on le laisse sur place, soit on l'enlève directement de son support.
Étape indispensable avant la rentrée scolaire, je vais nettoyer tout ce qui est chaussures, baskets à fond. D'ailleurs, elles sont super sales. Vous allez voir, bah forcément, avec l'été qu'on a eu, déjà, on n'a pas eu de chance au niveau boue, tout ça. Ensuite, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais j'ai énormément de travaux dans mon village et notamment dans ma rue. Donc, dès qu'on sort, on se met de la bouillasse dessus, s'il pleut, et il pleut beaucoup. Donc pour ce faire, je prends ma brosse à basket de chez Philips. Donc ce petit objet là, c'est top. On peut tout à fait le faire à la main, hein, pas de souci. Mais pour les feignants comme moi, ça coûte 20 balles. Ça brosse super bien. Je prends, vous savez, le petit savon au fiel de bœuf de chez Action. Et regardez la différence, franchement. J'ai toujours une petite brosse à côté pour les finitions, tout ça, que je fais à la main. Mais on va dire que la brosse de chez Philips enlève déjà le plus gros. Je vous ai pas tout filmé, mais j'ai fait 3 ou 4 paires de chaussures. Franchement, ça m'a pris allez, 10 minutes à tout péter. Et là, je nettoie mon évier parce que par contre, ça gicle un peu de partout. Et ensuite, je vais aller mettre directement les chaussures au soleil pour que ça sèche le plus vite. D'ailleurs, si vous avez des astuces, quand les chaussures, elles sont mouillées à l'intérieur et tout, une astuce pour que ça sèche plus vite. Après, je me dis au pire, le sèche-cheveux. Je vois que ça. Parce que même en plein soleil, ça met du temps à sécher une fois que la semelle elle est bien, bien mouillée. J'ai été faire des petites courses à Leclerc pour acheter les 2-3 fournitures qui me manquaient. Il me manquait vraiment pas grand chose. J'avoue que d'habitude, tout ce qui est sac, fourniture et tout, j'arrive à boucler avant de partir en vacances. Là, cette année, je m'en suis pas occupée du tout. Mais parce que je sais que c'est assez fluide. En fait, on a la chance de vivre à la campagne et mes enfants gardent leur instit d'une année sur l'autre. En fait, ma fille, là, elle est en CM2, ça sera sa troisième année avec son maître. Et mon fils qui était en CP l'année dernière passe en CE1 et c'est le même maître. Donc généralement ils récupèrent leurs affaires d'une année sur l'autre. Donc je vais commencer par Maé parce que ça va aller très très vite. Voilà, il faut vraiment pas grand chose au niveau de ses fournitures. En gros, j'ai dû racheter seulement un cahier de texte et un cahier rouge. Voilà, et je lui ai racheté une pochette, il en avait une, mais parce que la sienne était un petit peu abîmée et il voulait changer. Donc je vais vérifier au niveau de sa trousse. Je vais vérifier les stylos, je vais nettoyer et je vais tout mettre dans le sac tout simplement. J'ai acheté ce sac chez Auchan. Franchement, je l'ai trouvé trop mignon. Alors, il voulait un sac à dos. Voilà, il voulait passer au sac à dos. Il avait son petit cartable de l'année dernière qui était aussi chou sur le thème du foot. Et celui-là, bah, je l'ai mis sur Vinted et il a été vendu là il y a 2 jours. Donc, je vais pouvoir l'envoyer. Comme ça, ça lui donne aussi une deuxième vie. Et son nouveau sac, j'ai même pas retiré les étiquettes. Donc, c'est ce que je vais faire tout de suite. Il est assez grand. Franchement, il a l'air assez robuste. C'est la même marque que le sac de Mila. Et Mila a son sac justement depuis qu'elle est en CE1. Je lui ai jamais changé. Le seul truc que Mila a cassé sur son sac, c'est là pour faire tenir la gourde. En gros, ça s'est décousu en dessous. Mais voilà, moi je rachète pas un sac systématiquement tous les ans. Je trouve que le sac, s'il est de bonne qualité et qu'il est en bon état, évidemment, hein, à la fin de l'année, ma fille est assez soigneuse avec ses affaires, il peut largement faire 4 ans, quoi. Mon fils est moins soigneux et en plus, devant son sac, c'est un peu, je sais pas si vous allez voir, c'est un peu similicuir. Donc, je suis pas sûre qu'à la fin de l'année, ce soit toujours en bon état. On verra bien. Donc, ce qui est bien avec le sac, c'est qu'il y a une petite étiquette. Donc là, je vais noter directement son nom, son prénom et le numéro de téléphone si jamais il y a un oubli dans le car. Par exemple, moi, l'école n'est pas juste à côté de chez moi. Ils prennent le car pour pouvoir monter. Et bon, on sait jamais.
je vais lui mettre sa petite étiquette juste ici. Hop là. Au niveau de la trousse, pareil, elle est en super état, donc je vais lui laisser. Si elle était sale, je l'aurais lavée, mais là, honnêtement, pas du tout. Et pareil pour sa trousse de crayons de couleur et de feutre. C'est une trousse avec deux petits compartiments comme ça. Là, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vérifier tous ses crayons et ses feutres. Donc les crayons, si besoin, je vais les tailler. Pareil pour les feutres, s'il lui manque des couleurs. J'ai ma petite réserve juste là avec plein de feutres et plein de crayons de couleur. Ce qui se passait, c'est qu'avant, j'en achetais systématiquement pour Mila. Dès que c'était le début de l'année, j'achetais des feutres et des crayons de couleur. Et je rangeais ceux qu'elle avait déjà actuellement dans sa trousse. Sauf que je me suis retrouvée très vite. Alors là, ça a diminué un peu parce que ça fait 2 ans, du coup, j'en achète plus. Mais avec des tas et des tas de crayons et de feutres qui marchaient, je me suis dit, mais ok, c'est pas cher, franchement, acheter une boîte de crayons, une boîte de feutres, c'est 2-3 euros, c'est pas grand chose. Mais en fait, je trouve que c'est complètement inutile de changer quelque chose qui marche. Donc, si besoin, et ben voilà, je vais piocher dans ma réserve. Et le jour où j'aurai plus assez de réserve, là je rachèterai une boîte de feutre ou de crayon de couleur. Je lui ai aussi pris le petit cahier de texte qui allait avec son sac. Je l'ai trouvé super beau. Et d'ailleurs, pour la petite anecdote, il voulait absolument un cahier de texte. Alors nous, c'est pas agenda, c'est cahier de texte là pour les CE1. Foot. Et j'en ai pas trouvé. J'en trouvais pas. J'en ai trouvé sur Amazon, mais je trouve qu'ils étaient pas. Ils étaient pas top, quoi, parce que c'était pas. Forcément que du français, etc. Enfin, bref, ils étaient pas top. Et j'ai regardé sur Vinted. Je me suis dit, bah, qui ne tente rien n'a rien. Hein, franchement, je vais regarder sur Vinted. Et j'ai trouvé exactement le cahier texte qui allait avec son sac. Vous voyez, c'est exactement les mêmes motifs. Sauf que moi, dans mon champ, il n'y avait pas du tout ce cahier texte. Je ne l'ai jamais vu. Je l'ai vraiment trouvé uniquement sur Vinted, celui-là. Donc, j'étais vraiment trop contente. En plus, à un prix, je l'ai payé 3 euros, je crois. Bon, après, on rajoute les frais de port et tout ça. Mais j'étais vraiment trop contente parce que même sur le site d'Auchan, je ne l'avais pas vu. Donc en fait, comme quoi des fois, il faut vraiment chercher... Il y a tellement de produits neufs aussi sur Vinted hein, parce qu'il est complètement neuf. Il faut toujours avoir le truc de se dire, tiens, je vais quand même regarder d'occasion, entre guillemets, parce que c'est du neuf. Mais ça coûte rien. Et moi, perso, j'ai trouvé mon bonheur. Donc je vais surligner au fur et à mesure ces petites affaires. Donc le cahier de texte, c'est bon. Ainsi que le sac. Ensuite, il lui fallait un petit cahier rouge. Donc, j'en ai acheté un. D'ailleurs, j'ai pas fait attention. J'ai pas regardé dans mes affaires, mes fournitures. En fait, j'ai toujours un bac comme ça qui est rangé dans l'armoire de ma chambre où je stocke tout ce qui est fourniture. Voilà, la colle. Parce que ça, ils en ont besoin quand même pas mal de fois. Dans l'année, j'ai des stylos, j'ai des crayons, enfin voilà, c'est ma réserve de fourniture. Et en dessous, ce petit bac, dans mon armoire, j'ai aussi des cahiers. Et j'avoue que j'avais regardé tout ce qu'il y avait là-dedans et j'avais pas fait attention aux cahiers. Et j'en avais plein des cahiers rouges, j'en avais au moins 3, donc je suis dégoûtée. C'est pas pour le prix, comme je vous dis, franchement, ça vaut tellement une misère. Mais c'est, j'aime pas... Enfin, stocker bêtement, en fait, voilà. Donc j'aurais pu me débarrasser d'un cahier rouge. Et ben non, j'en ai racheté un. Donc, vraiment trop bête. Donc, il a besoin d'une équerre qui est juste là. Donc, celle-ci, elle était dans son sac. Donc, je vais juste la nettoyer. Sa petite règle de 20 cm, idem. Son ardoise. Pour la chemise, il avait une chemise comme ça. Et franchement, elle commençait vraiment à être abîmée. Donc j'en ai racheté une jolie, la chemise c'est bon. Ensuite il avait besoin d'un compas, donc j'ai pris un compas et franchement c'est top ces compas là. Parce que c'est un compas 2 en 1, c'est à dire que soit on met vous savez le crayon, soit il y a la pointe avec le crayon déjà intégré. Parce que là c'est pas spécifié quel compas il a besoin. Mais par exemple Mila qui est en CM2, donc qui a l'autre maître, ils sont que 2 mètres dans l'école. Elle s'est spécifiée sur sa liste qu'il faut que ce soit un compas où on met un crayon. Donc je me dis pour l'année prochaine, au moins il aura le même compas et selon les mètres, avec ça, un 2 en 1, on répond à tous les besoins. Là, quand on ouvre la trousse, je vous assure qu'on se dit mais
Je n'ai jamais donné ça à mon fils. Donc c'est là qu'on voit à quel point il s'échange des trucs dans la classe. C'est un truc de fou. Il va falloir que je passe un petit coup d'aspirateur dans sa trousse. Mais déjà, je vais faire le check-up. Donc l'effaceur d'ardoise, c'est bon. Un feutre d'ardoise. Voilà, comme ça, il en aura deux. Une paire de ciseaux que j'avais étiquetés et qui n'est plus étiqueté. Un bâton de colle. Il l'a très peu utilisé, donc je vais lui remettre le même. Un taille-crayon, l'année dernière, je lui avais passé ça. Je l'avais dépanné en milieu d'année que j'avais trouvé. Et là, je lui en ai acheté un nouveau. D'ailleurs, je trouve que les taille-crayons, c'est faux. Enfin, faut vraiment chercher le taille-crayon. Parce qu'à chaque fois que moi j'en achète, c'est des flops. Ils souffrent tout seuls ou ils sont un peu galères. Donc là, je suis revenue sur un peu le taille-crayon. Bon, c'est de la marque Maped. Donc c'est quand même de la bonne marque. Mais le taille-crayon à l'ancienne, hein, comme moi j'avais quand j'étais petite dans ma trousse. Et qu'il faut vraiment forcer un petit peu pour vider. Parce que tous les autres, en d'autres formes, ils arrivent trop facilement à s'ouvrir, je trouve. La gomme, je vais lui remettre la même gomme. Il faut deux crayons à papier. Donc celui-là, voilà, je vais lui mettre ces deux-là. Il faut son petit stylo bille. Je vous montrerai un petit peu plus près lesquels moi j'achète. Et en plus, ils sont top parce qu'ils sont rechargeables. Mais je vais lui en mettre un autre bleu. Un rouge. Mais je comprends pas vraiment. Enfin, genre, il a 4 stylos bleus. 4 stylos noirs, même 5 stylos noirs. Un stylo 4 couleurs. Non, mais vraiment, ils se font des échanges de fou dans la classe. Donc je vais lui mettre deux stylos bleus, un stylo vert que bien évidemment je vais vérifier s'ils marchent tous, un stylo rouge et un stylo noir et tout le reste. Moi je vais lui laisser son petit stylo 4 couleurs mais tout le reste je vais retirer. Pour bien récupérer l'ardoise des enfants, je prends du dissolvant. Il me semble qu'il y a de l'acétone à l'intérieur dans celui-là. Et je passe un coton sur l'ardoise et après elle ressort nickel. Elle est toute blanche et il n'y a plus du tout de traces de feutre d'ardoise dessus. Je nettoie aussi avec le produit multi-usage le stylo de Mahé parce qu'il avait quelques traces d'encre dessus et je vous le montre d'un peu plus près. C'est un stylo de la marque Stabilo, donc déjà il est ergonomique pour les enfants, pour qu'ils puissent tenir parfaitement leur stylo. Vous pouvez changer la mine directement, ça s'achète en fait à côté et comme ça vous gardez vraiment la base du stylo même une fois qu'il ne fonctionne plus. Je préfère utiliser le nettoyant de chez Everdrop pour nettoyer tout ce qui est stylo, crayon et tout ça parce que je me dis ils sont sans danger et au moins même si les enfants ils mâchouillent un petit peu et qu'ils les mettent dans la bouche, et ben ça craint rien. Je ne vous montre pas les étiquettes des enfants parce qu'il y a leur nom de famille dessus, mais j'utilise tout le temps celle de chez Ludilabel. Je les trouve trop canons. Si vous avez l'occasion, allez voir sur le site, il y a vraiment énormément de modèles et vraiment pour tous les goûts. Une fois que j'ai étiqueté les petites affaires, je passe au taillage de crayon et je vais tester aussi tous les feutres.
Pour l'année 2024-2025, je mets à jour leur titre de transport. Plus que la gourde que je remplirai le jour J et le sac de maillet est terminé. Et maintenant c'est parti avec le sac de Mila, donc ça devrait aller aussi assez vite. Par contre j'avais rien vidé au niveau de son sac, j'avais pas vidé ses cahiers, jeté, trié, machin. Donc là je vais faire, je vais aspirer son sac et tout ça, je vais nettoyer s'il y a besoin de le nettoyer. Mais vous voyez, je vous montre. Franchement, le sac, il a 4 ans. Bon, après, il est un peu abîmé, j'avoue, au niveau des petits renforts là en dessous. À part ça, il est nickel. Au niveau des renforts derrière, il est impeccable. Donc, il fera encore un an. Et après, au collège, je lui en achèterai un nouveau. De toute façon, il y avait un ISPAC, je crois. Je fais la même chose avec les affaires de Mila. J'aspire, je nettoie et compagnie. Ce que j'aime bien avec les sacs de chez Auchan, c'est que vous avez une petite poche avec une petite languette si jamais votre enfant sort et qu'il fait encore nuit. Pour Mila, elle est partie sur cet agenda kawaii. Franchement, il est trop sympa. Il est trop mignon à l'intérieur. C'est Playback qui fait ça. Il y a des tutos à l'intérieur pour développer la créativité et tout ça. Il y a des petites étiquettes, il y a des autocollants. Enfin, franchement, il est trop cool. Donc, en gros, je crois qu'on imprime. Il faut se connecter sur le site, imprimer la première page. Et après, il n'y a plus qu'à la mettre comme ça. Donc, je verrai avec Mila ce qu'elle veut faire. Et à l'intérieur, il y a aussi une petite planche comme ça de pochoir. Et ça faisait un petit moment aussi que je lui cherchais une gourde. Alors moi, je fais toujours attention au niveau des gourdes. J'achète des gourdes en acier inoxydable 18-8 et sans BPA et tout ça. Je fais vraiment hyper attention. Je veux aussi qu'elles maintiennent au froid ou à la chaleur. C'est surtout au froid pour l'été quand il fait chaud. Donc je suis partie sur le modèle de chez Pandati. Je l'ai trouvé dans ma pharmacie pour 22€. De base, je regardais sur internet et finalement, je suis tombée sur celle-là, la pharmacie, qui valait le coup au niveau du prix parce que sur internet, c'était ça, c'était entre 25 et 30€, on va dire. Et celle-là, on l'a trouvée trop jolie, c'est Mila qui l'a choisie. Donc, il y avait violet, il y avait rose, il y avait vert et bleu ou orange, je sais plus. Enfin bref, il y avait que des belles couleurs. Donc là, je vais aller la laver. Et l'avantage de l'acier inoxydable 18-8, c'est que au niveau de l'acier, il n'y a pas d'altération au niveau du goût. Donc j'ai opté pour celle de chez Pandati. Elle est un peu en matière, je sais pas comment expliquer, c'est tout doux en fait. Ça fait limite comme du silicone un peu, mais super doux. Donc j'espère qu'elle va pas s'abîmer ou qu'elle va pas prendre de traces noires. J'espère qu'elle va en faire attention.
On verra bien. Ça m'évite de mettre des bouteilles d'eau dans le sac et je trouve que pour garder l'eau bien fraîche et tout ça, c'est l'idéal, les petites gourdes comme ça. Et là, je lui ai pris le grand modèle parce que je me dis que l'année prochaine, elle va au collège et si je prenais la 200 ou 250 ml, ça fait petit. Là, elle rentrait le midi, c'était bon, je pouvais lui remplir. Mais au collège, vu qu'elle partira toute une journée, je pense qu'une 500 ml, c'est mieux que les petites comme Maï, il a dans son sac. Lui, c'est pas grave, vu qu'il est en CE1, il boit pas énormément et tout ça, mais Mila, vu qu'elle grandit, eh ben, autant prendre une gourde plus grande directement, même si c'est bon, bah, un petit peu plus lourd dans le sac. Voilà les modèles que propose le site pour l'agenda, ils sont vraiment trop mignons. Et comme je m'en doutais, Mila a choisi le petit panda avec la pochette violette. En plus, ça va parfaitement avec sa gourde, donc c'est vraiment trop mignon. Et c'était pas fait exprès en plus. Emotions running wild. If you don't calm down, I can't stay. Breathe in, breathe out. Let me speak now. What happened was a one-time thing. No bullshit, no lie. I swear I'll try to give you my everything. Et voilà, tout est prêt pour le lundi de la rentrée. Une bonne chose de faite et surtout une charge en moins dans la tête. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une très bonne reprise. Force et courage, je suis avec vous dès demain. Et pour les autres, je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve dimanche prochain. Bye!